Pendant plusieurs décennies, la rumba congolaise a fait danser la planète tout entière. Sur ce plateau d'Africanité, dans quelques instants, un moment d'anthologie. Deux des légendes qui ont façonné cet art vont se succéder. Vous voulez un avant-goût de ce que c'est que vraiment la rumba sur Africanité? C'est tout de suite maintenant. Kamundele asunga kosimba misuni na moto gazitango akolia babwakio gabuye zambira tana nukananga ye keita kula mapesa mwa konse mise kola baba kesi mungu wa mabenga zanga ya we balango suki sanga balango na pawa Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine culture et société de TV5 Monde, au cœur de la toute dernière émission de la saison, entièrement dédiée cette fois-ci à la rumba du Congo. Côté cinéma, c'est Lise Laure et Tia qui s'y collent. T'as un grand sourire, que se passe-t-il donc bien entre... Quel sourire tu veux, mon vieux? Mais celui de la volupté et de la satiété, Lise Laure et Tia. Une émission. On en reparle dans quelques instants. À nos côtés également, celui pour qui les livres n'ont aucun secret, Christian Eboulet. Nous évoquerons l'actualité livresque, cinématographique et bien sûr au cœur de cette émission dédiée à la rumba, un pionnier, cofondateur de ce genre, Samangwana, venu nous rejoindre, mais également quelques-uns parmi les nouveaux visages qui font vibrer cette rythmique à l'échelle de la planète. Je pense notamment à Olivier Chimanga, le tout sous le regard bienveillant de notre grand témoin, l'un des derniers gardiens du temple, j'ai nommé Sa Majesté, Monsieur Papa Chungu Wemba Dio Kitoko, Papa Wemba, beauté. Ça va bien? Très bien, merci. Sangonini, papa, ça veut dire comment ça va? La francophonie respire aussi en lingala aujourd'hui. Ça va bien? Kitoko. Kitoko. Papa Wemba, vous êtes l'un des derniers gardiens du temple, surtout depuis la disparition de Taboulé. La musique. Et à son âme, hein. Absolument. La musique que vous portez, la rumba, celle que d'autres avant vous ont perfectionnée, a irradié au cœur de la planète. Est-ce que vous vous attendiez à une telle reconnaissance planétaire? Ben, c'est vrai que je dirais aujourd'hui la rumba, moi, en sa définition, elle est la maternité même de la musique africaine, quoi. Hier, aujourd'hui, demain, cette rumba va toujours exister, parce qu'elle a plié, elle a sillonné toute l'Afrique. Elle a fait danser toute l'Afrique, là, y compris même nos chefs d'État. Et je me rappellerai encore de ça il y a quelques années en arrière. Quelques 17 pays ont commémoré leur cinquantenaire. C'est avec la chanson Indépendant Cha-Cha que tout le monde, ah ouais, que tout le monde a dansé, quoi. Donc aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, la rumba sera toujours là. La rumba pour l'éternité. Papa Wemba, pour ceux qui le découvrent, eh bien, quelques images en couleur, retour sur un parcours d'exception, le grand, le formateur d'idoles sur TV5 dans Africanité. C'est ici, en République démocratique du Congo, que Papa Wemba naît en 1949, d'un père ancien soldat dans l'armée coloniale belge, et d'une mère qui était alors pleureuse professionnelle. Maman, c'était une pleureuse, quoi. Une pleureuse, parce qu'ici, en Afrique centrale, il y a des coutumes quand il y a des veillées mortuaires. Mm-hmm. Tout à fait, oui. Hein. Ça fait comme ça. Il y a toujours une personne qui doit orienter, diriger
les cérémonies funéraires. Et j'ai toujours dit, j'ai jamais eu honte de le dire, quoi. J'ai eu une grande chance d'avoir une maman comme ça, quoi. Parce que c'est elle qui m'a appris un peu à chanter, quoi. C'est elle, quoi. De son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diop est né Kikumba. Papa Wemba grandit ici, dans le quartier de Matongé à Kinshasa, dans ce qui est alors le Congo belge. Initié par sa mère, il se passionne très tôt pour la musique et le chant. Avec vraiment des amis du quartier, on fabriquait nos guitares nous-mêmes. On fabriquait nos guitares en main. Et puis, on cherchait des boîtes de conserve pour faire genre micro, quoi. Et on prenait aussi des boîtes de conserve pour faire des tam-tam, quoi. Alors, le seul instrument véritable qui était dans ça, c'était ma voix. En 1969, Papa Wemba participe à la création de Zaïko Langa Langa, un groupe qui va révolutionner la musique congolaise en proposant une sorte de rumba anticonformiste. Quelques années plus tard, Papa Wemba crée sa propre formation musicale, Viva la Musica. Un groupe avec lequel il invente la rumba rock made in Kinshasa avant de se lancer à la conquête de l'Europe, où il s'installe en 1986. Papa Wemba, quand il est arrivé à Paris avec Viva la Musica, avec donc son groupe qui comprenait Gino, Stino, Reddy Amici et tout ça, ils commençaient à jouer en spectacle, là c'était. Il n'y avait pas de photo, quoi. C'était. On n'avait jamais vu. Jamais. Leur chorégraphie, leur rythmique, leur façon de jouer. Alors là, oui. Là, j'ai adhéré tout de suite. Cependant, c'est avec Fa, cette reprise de son idole de toujours, Otis Redding, que Papa Wemba connaît un succès planétaire. Un succès qu'il doit notamment au célèbre musicien et producteur anglais Peter Gabriel, avec qui il collabore dès 1993. La première fois que j'ai vu Papa Wemba en concert, c'était au Dôme de Marseille, en première partie de Peter Gabriel. Et là, j'étais fasciné par le talent de cet artiste, l'interprétation de ses titres. Un talent reconnu dans le monde entier, y compris au Japon, où l'artiste fait des émules. Mais en 2003, Papa Wemba est emprisonné pendant 3 mois en région parisienne pour son rôle présumé dans une filière d'immigration clandestine entre son pays, la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. À l'époque, on habitait à Aulnay. On était en grand pavillon sur le pont de l'Union. Et le voisinage, on connaissait tout le monde. Hein. Personne ne nous a pointé du doigt, non. Voilà, ça s'est bien passé parce qu'on nous connaissait vraiment de l'intérieur. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Et l'après, mon papa était beaucoup dans la prière. Hein. Papa est un champion, un battant. Dieu lui a donné cette force, donc il a repris son chemin et voilà, c'est reparti. Avec l'aide de son épouse, Marie-Rose Louzolo Amazon, et ses enfants, Papa Wemba rapidement renoue avec son public et le succès. Surnommé le rossignol du Kassai et toujours considéré aujourd'hui comme le roi de la SAP, Papa Wemba démontre une fois de plus toute l'étendue de son talent à travers son dernier album intitulé Maître d'école. C'est Africanité sur TV5 Monde. Nous parlons aujourd'hui du thème de la rumba congolaise avec l'un des témoins d'une époque que les moins de 80 ans n'ont pas connue, puisqu'il est l'un des rares à avoir à la fois côtoyé, joué avec Wendo Colosoy, Taboulé et entre autres Franco.
Alors, Papa Wemba, on vous a entendu parler de votre maman qui était pleureuse, Maman Nyondo, à qui vous avez d'ailleurs consacré une chanson. Et vous dites, maman, si tu n'étais pas partie, j'aurais demandé à ce qu'on te nomme ministre de l'Éducation. Alors, justement, quel souvenir vous gardez de cette maman qui était très protectrice? On sait que vous avez perdu votre papa beaucoup plus tôt. Mais oui, beaucoup plus tôt, il était parti parce que lui, s'il était là, je n'allais pas embrasser la carrière musicale. Il voulait que je devienne, moi, quelqu'un dans la société, ministre aussi, je ne sais pas quoi. Mais bon, maman, elle fut pour moi mon premier prof et mon premier public aussi, quoi. Puisque j'étais resté toute une décennie, j'étais seul avec elle. Parce que papa, c'était un homme à femme, qui avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Mais avec maman, j'étais tout seul, quoi. 10 ans pendant. Et j'étais comme sa petite sacoche, quoi. Elle m'amenait un peu partout. Où elle partait, elle m'amenait, quoi. J'ai grandi avec ma maman. J'ai grandi avec son chant mélancolique tout le matin, là, pendant qu'elle faisait le ménage et tout et tout. Alors là, quand ma maman chantait, j'avais chaque fois froid au dos, quoi. Et quand elle me disait aussi, elle me proposait de chanter, c'est elle qui me corrigeait. Non, mon fils, là, il faut bloquer ta voix et essayer de téléphoner ta voix. Et si je le faisais bien, elle m'applaudissait, quoi. Donc c'est pourquoi je garde toujours ces souvenirs envers ma maman, quoi. Alors en préparant cette émission, votre fille, Victoire, l'une de vos filles qu'on a rencontrée, nous a dit que vous étiez un papa très attentionné à l'écoute de tous ses enfants, mais assez strict du point de vue de l'éducation, dont vous parliez tout à l'heure à propos de votre mère. Vous qui avez été orphelin de père très tôt, est-ce que c'est important pour vous, la famille ? C'est très important, surtout en Afrique, la famille, elle est très, 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 très importante, quoi. J'ai grandi avec une rigueur, j'ai grandi avec une éducation de la famille. Bien que mon père, c'était un homme à femme, mais il nous avait tous mis ensemble avec une seule éducation. Comme lui-même fut ancien soldat qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale, donc c'était quelqu'un de très carré, quoi. Donc je grandis avec cette façon de voir la famille, quoi. En dehors de la famille, je suis Papa Wemba, les dandilles et tout, mais chez moi, non, ça s'arrête tout dehors, je suis papa. Lise-Laure, vous avez scruté la carrière, le parcours de Papa Wemba et il a failli nous échapper, a priori. Oui, il a failli nous échapper parce que justement, votre femme, Marie-Rose, elle dit que quand vous êtes rencontrés très jeune, dans la drague, vous lui avez confié que vous vouliez plutôt devenir journaliste. Alors pourquoi le journalisme à cette époque ? J'étais quelqu'un qui grandissait très bien, qui, dans mon quartier déjà, j'avais un petit surnom qu'on m'appelait mon français, parce que j'aimais trop parler en français, quoi. Et je me disais, moi, je vais devenir journaliste. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait 14 ans, moi j'en avais 20, je lui dis non, moi la musique c'est très passager, hein. Je vais m'arrêter au bout d'un certain temps, moi c'est du journalisme que je ferai, quoi. Et ma femme, pendant plusieurs années, nous avons eu nos deux enfants, elle attendait le journaliste. Bon, la musique a été trop forte, je suis resté dans ça et aujourd'hui, le bonheur. Christian, homme de famille et homme de la solidarité ? Absolument. Et vous avez été fait notable dans votre région, le Kasaï oriental, au centre-sud de la République démocratique du Congo. Mais vous venez aussi en aide à beaucoup de gens, notamment dans votre quartier de Matongé, où vous avez grandi à Kinshasa. Redonnez un peu de ce que la vie vous a donné, ça c'est important pour vous. Matongé, c'est le quartier qui m'a vu grandir, c'est le quartier qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. C'était le tout premier quartier populaire de Kinshasa à l'époque, Léopoldville, quoi. Donc ces quartiers-là, il m'a façonné, quoi. Et c'était les quartiers qui recevaient bon nombre d'étrangers qui venaient, parce qu'il y a les stades qui s'est passé, le combat du siècle, là, moi c'est mort. Ali Foreman. Et Ali 74, qui a été reporté plusieurs fois. Vous étiez là. J'étais là, j'étais présent, j'ai vécu ça. Avec James Brown, les Spinners, tout le monde était là, Franco, Myriam Makeba. Je vis tout le monde. Mais Papa Wemba, j'ai même serré la main à Johnny Pacheco. À Johnny Pata, oui, ils étaient tous là. Dites-moi, est-il vrai que vous quittiez les quartiers populaires de Kinshasa pour aller dans les quartiers des Mindele, c'est-à-dire les quartiers des Blancs, des riches, pour aller écouter la musique qui venait d'ailleurs, la musique américaine notamment? En fait, moi, je sortais chaque fois de l'ordinaire avec mes amis. J'ai quitté les quartiers, j'allais visiter mes amis qui habitaient dans le quartier des Mindele, quoi. À le quartier des riches, Kalina, parce que eux, et chaque fois... traduis, hein. Mindele, c'est le pluriel de Mundele, c'est les Blancs. Ouais. Qu'on soit en clair. Donc mes amis, ils avaient des vinyles. Il y avait des vinyles de disques, le blues, le jazz, tout ça. Et moi, j'ai quitté les quartiers. J'allais toute la journée passer la journée avec mes amis là-bas, juste pour écouter. Et puis le soir, je rentrais.
J'étais très bien dans ma peau. C'est ce qui a nourri le petit Jules, devenu Papa Wemba, un mythe qui a fait le tour de la planète et qui est le co-inventeur de ce qu'on appelle la sono mondiale. Il a eu la gentillesse d'être l'un des invités de l'émission acoustique. Je propose de le découvrir sur scène, sur TV5 Monde, dans Africanité. De Maria, mama na Yesu mo santo. Ave Maria, mayo mata me mati que lembota. Maria Valencia, je pourrais continuer le refrain, c'est l'une de mes chansons préférées. On a la chance de pouvoir toucher, de tutoyer la légende de l'histoire de la musique avec Papa Wemba, mais pas seulement. L'un des cofondateurs du genre nous a également rejoint, c'est vous, Samangwana, soyez le bienvenu. On vous a connu comme l'un des pionniers fondateurs de cette musique, accompagnant notamment Franco. Soyez le bienvenu sur cette émission. Est-ce que vous avez eu la chance, l'occasion de jouer tous les deux, de partager la scène, Papa Wemba? Oui, et... c'était une séance de studio. Une séance de studio. Quand on avait réalisé... Référence. Référence, oui, oui. Soyez les bienvenus, c'est comme à la télé, quoi. Deux mythes. Absolument. Alors, sur ce plateau. Absolument. Samangwana, vous êtes né en 1945 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'époque le Congo belge. C'était l'époque des pionniers, Paul Okamba, Wendo Colosoy, Manuel de Oliveira. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge vous avez su que vous vouliez devenir un chanteur de rumba? Oh, c'est difficile parce que à l'âge de 8 ans, je commençais à percevoir certaines musiques. Il y avait la musique folklorique qui circulait dans le quartier parce que les Belges, l'administration belge avait quand même une belle politique de promouvoir les musiques traditionnelles. C'est comme ça qu'on a connu à Kinshasa des manifestations des Mongo, Tetela, Luba, Congo. Et on a grandi dans cette ambiance-là. Mais tout en grandissant, et à l'âge de 10 ans, je commençais à apprécier les rumbas. Alors mes premiers rumbas, c'était les rumbas de Wendo, Bouane, Antoine Mundanda, Kabasele surtout, parce que évidemment, c'était l'un des précurseurs de la musique vraiment moderne à Kinshasa, avec l'African Jazz. Voilà. Dire que je sentais déjà être musicien, c'est un peu difficile, parce qu'on était à l'école, avec une éducation très stricte des parents, et surtout protestants, et c'était difficile de parler musique à la maison. On parlait musique en dehors de la maison, mais à la maison, c'était un sacrilège de parler de la musique. Alors, en 58, j'étais envoyé à 41 km de Kinshasa, dans une école de l'armée du salut, parce que j'étais un peu turbulent à l'école. Et là, je suis devenu choriste. Choriste. Tellement que ma voix était belle. Alors, on m'a incorporé dans... J'étais à l'école primaire, mais j'étais incorporé dans une chorale des normaliens, les étudiants de l'école normale. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un certain goût à... Et vous avez pris conscience que vous pouviez en faire un art? Non, pas encore, pas encore. Ça viendra plus tard. Vous avez là un musicologue, un historien de la musique, Lisa. Alors justement, vous avez une manière, Samangwana, très particulière de définir la rumba. Vous dites plus qu'une musique, c'est un comportement. Alors c'est quoi être rumba? Oui, quand je suis rentré dans ce milieu-là,
j'ai constaté que, parce que c'est Taboulé qui m'a formé en tant que chanteur dans la rumba, et j'ai constaté que même quand on venait d'un milieu un peu extravagant, mais dans le milieu rumba, entre les musiciens, les artistes qui faisaient la rumba, la personne devenait observer une certaine discipline, c'est-à-dire dans sa manière de parler de l'amour, de la femme, et de la vie en somme. Et il y avait une certaine moralité et une certaine manière d'approcher les choses. C'est comme ça que moi, je définis que la rumba, c'était un comportement. Il y a la rock'n'roll attitude et la rumba attitude. La rumba attitude, absolument. Alors, vos chansons ont fait danser l'Afrique tout entière, mais aussi les Antilles. Ça, c'est beaucoup moins connu. Mais surtout, vous chantez dans plusieurs langues. Vous chantez en swahili, vous chantez en lingala, en portugais, en espagnol, en anglais et en français. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que vous voulez briser les barrières entre les hommes? Non, à Kinshasa, il y avait un peu de tout ça. Et quand on grandissait, comme j'avais un papa commerçant, il m'amenait, quand il allait faire ses affaires au centre-ville, et on croisait tout ce monde-là. On croisait les Allemands, les Belges, les Grecs, les Portugais, les Italiens. Et puis, pendant les vacances, je n'avais pas droit au jeu. Et il fallait aider mon papa dans son commerce, dans ses boutiques. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à côtoyer tous ces langages-là. On va échanger avec vous tout à l'heure. On peut vous rendre hommage aussi, vous, les artistes, musiciens, d'avoir été, avant les politiques, parfois les leaders du panafricanisme, parce que vous avez des origines à la fois angolaises. Il n'y a pas des histoires de tribus. On se retrouvait autour de la rumba et je propose de revenir sur quelques grandes lignes qui retracent la fabuleuse épopée d'un rythme qui fait bouger toute la planète, la rumba du Congo. C'est ici, dans le bassin du Congo, que s'enracinent les rythmes traditionnels qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la rumba. À l'origine, la rumba est une pratique musicale forgée par les anciens esclaves Congo ou encore Yoruba, qui avaient été déportés aux Amériques et dans la Caraïbe. Les esclaves congolais qui ont été amenés dans les îles et en Amérique ont apporté avec eux, on dirait même ont emporté avec eux, des éléments culturels du terroir qu'ils ont réussi à sauvegarder malgré l'adversité, malgré l'environnement dans lequel ils étaient plongés brutalement. La rumba, Nkumba, le nombril, c'est-à-dire Nkumba, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. C'est donc Nkumba. En Kikongo, en Lari, on dit Nkumba. Conçue comme une musique festive, mais aussi de résistance à l'oppression esclavagiste, la rumba est le fruit de nombreux allers-retours entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Llega Cuba, parte en un barco a Vigo, va la rumba de nuevo hacia Europa y de nuevo regresa con nuevas posibilidades. Es decir, la raíz africana llega a América, vuelve a África y otra vez vuelve a América, en ese continuo lenguaje de viajes de ida y vuelta. Enrichie de sonorités nouvelles, la rumba est revenue dans le bassin du Congo dans la première moitié du XXe siècle grâce aux échanges maritimes. À l'époque, les pionniers les plus connus en sont alors Paul Kamba à Brazzaville ou encore Adou Elenga et Wendo Kolosoy à Léopoldville, devenus Kinshasa après l'indépendance. Dans les années 50, les grands orchestres succèdent à la génération des pionniers. D'abord l'African Jazz de Joseph Kabasele à Kinshasa. Ensuite, l'Oké Jazz de Franco, toujours à Kinshasa. L'African Jazz et l'Oké Jazz constituaient alors ce qu'on appelle encore aujourd'hui les deux grandes écoles de rumba. Piliers de l'Oké Jazz, Jean-Serge Essou et Nino Malapé fondent ensuite l'orchestre Les Bantous de la capitale en 1959 à Brazzaville. En avril 1960,
Joseph Kabasele enregistre à Bruxelles « Indépendance Tcha-Tcha », un tube qui deviendra l'hymne des indépendances africaines. Issu de l'African Jazz de Joseph Kabasele, Taboulé Rochereau a profondément marqué l'histoire de la rumba congolaise. Vous voyez, ça c'est la première fois qu'un Africain de peau noire avec son groupe passe à l'Olympia. Ça c'est l'orchestre de l'Olympia qui m'accompagne. En 1975, Abeti Masikini, l'une des rares femmes à occuper le devant de la scène de la chanson congolaise, se produit à son tour à l'Olympia. Dans le sillage d'Abeti Masikini et sous l'impulsion de Taboulé Rochereau, des chanteuses comme Pongo Love, Chalamwana ou encore Mbilia Bel vont apporter une touche féminine à la rumba congolaise. Une tradition que cette nouvelle génération doit à des pionnières comme Marie Kitoko ou encore Lucie Eyenga. Soki mwasi ayembaka azali ndumba aza mwasi ya kuvana na libala te mais siko c'est pas le cas. Cependant, les années 80 seront celles du règne sans partage du groupe Zaïko Langa Langa, fondé en 1969. Depuis, de nouvelles générations d'artistes ont succédé à Zaïko Langa Langa et la rumba congolaise continue son expansion dans le monde entier grâce à des figures emblématiques comme celle de Papa Wemba. Bienvenue dans le nouveau temple de la rumba africanité sur TV5 Monde. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre site tv5monde.com et sur tous les réseaux sociaux. À nos côtés à présent, un chercheur en sciences sociales bien connu, c'est vous Anissé Mobé, soyez le bienvenu. Merci. Vous savez que parfois on me rencontre dans la rue, on me dit on m'appelle Anissé Mobé. Moi aussi on m'appelle souvent Amobé. Eh bien soyez le bienvenu, tout le monde est content, vraiment. Betamaboko, comme on dit, applaudissements. Merci. Alors, est-ce que vous diriez qui a une portée historique? C'est la première question. D'avoir deux monuments comme Samangwana et Papa Wemba sur le même plateau, c'est un peu comme si on avait les Rolling Stones et les Beatles, Paul McCartney et Mick Jagger. C'est un peu une métaphore rock'n'roll pour vous ou c'est une réelle portée historique? Mais TV5, vous venez de contracter une lourde dette en associant ces deux monuments sur le même plateau. C'est-à-dire que pour les mélomanes que je suis, cette rencontre suscite un immense espoir. Il faut donner suite à cet espoir. Il ne faut pas que cette rencontre soit seulement un instant figé dans le présent. Il faut lui donner une suite et cette suite ne peut être que favorable et bénéfique à la musique congolaise moderne. Ce ne sont pas des retrouves, ce sont des retrouvailles d'abord parce qu'ils se sont déjà rencontrés dans un album et ça a produit un effet prodigieux. Et maintenant, il faut amplifier. Alors là, il était en train de demander à la direction directionnelle de TV5 Monde de faire en sorte qu'on ait 5 heures d'émission. Vous connaissez les Africains. En 7 ans, on s'élargit, on a beaucoup de choses à se dire et en tout cas, on le partage. Et on va poursuivre avec Anissé Mobé. On l'a vu dans ce reportage, la rumba congolaise, c'est le fruit d'une rencontre entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Une rencontre souvent violente, traite négrière, colonisation. Mais est-ce que cette musique aurait été ce qu'elle est aujourd'hui sans l'émergence des villes modernes durant l'époque coloniale? Effectivement, la municipalisation des villes, souvent qui étaient des villes basées sur la ségrégation résidentielle. Donc les noirs d'un côté et les blancs de l'autre côté. Eh bien, la municipalisation, c'est comme dans toutes les villes africaines. Hein, pendant la colonisation, Donc la municipalisation a été un facteur déterminant. Dans la mesure où, et d'ailleurs, c'est pour cela d'ailleurs que les musiciens congolais, aussi bien des Brazza que des Kinshasa, restent très attachés à leur ville. Donc tout est occasion pour magnifier Kinshasa ou Brazzaville. Et deuxièmement aussi, c'est que la musique congolaise a offert aux Congolais,
souvent donc, victimes de cette ségrégation résidentielle, la musique leur a offert l'expression culturelle la plus appropriée. Et une identité aussi. Quoi. Mais alors, voilà, Alice, pour magnifier cette identité et surtout des formes appropriées de sociabilité. Mais j'allais demander à papa, vous avez connu ça, ainsi que vous, Sam, cette espèce de une forme d'apartheid, où les gens étaient cloisonnés vraiment de quartier en quartier. Absolument. Je me rappelle, étant gosse, on allait dans les quartiers. Des blancs et voler des noix de coco et des mangues, et là poursuivi par. Non, mais c'est hallucinant. Nous, on n'a pas du tout idée ça. Vous dites que dans les années 50, 60. Absolument. Avant 60. Comme aux États-Unis, en Afrique, 40, vous viviez la ségrégation avant, dans les quartiers. On allait dans les quartiers des blancs juste pour écouter, pour entendre l'odeur. Et pour ce qui est. L'odeur des frites. Oui, des frites. Des frites belges, oui, puisque vous êtes colonisé, en fait, au Congo belge par les Belges. C'est pas une blague. Pour ce qui est de Kinshasa à l'époque, Léopoldville, l'avenue Charles de Gaulle était la limite entre ce qu'on appelait la cité indigène et la ville européenne. Et c'est comme ça que nous, on appelait Gombe ville. Donc, et deuxièmement, on a beaucoup cité les rôles joués par les producteurs, les éditeurs pour l'épanouissement des talents musicaux congolais. Ce n'est pas un hasard. Qui étaient ces producteurs? Des Portugais, des Grecs, des Pakistanais, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des petits blancs qui ne pouvaient pas accéder, par exemple, aux industries minières et à qui les Belges avaient laissé le petit commerce. Eux, ils étaient en contact avec nous. C'est comme ça qu'ils ont favorisé la musique congolaise moderne. Et heureusement, heureusement qu'il y a eu tous ces studios-là à Kinshasa. C'est ça qui a fait que beaucoup de musiciens sont arrivés travailler dans le studio et par après, ils ont... Et il y avait les bars. Et donc, c'était les compétitions des bières. On peut citer les marques maintenant, hein. Les compétitions des bars avec les bières. Vous passiez dans les rues, ça, mais vous entendez à qui mettait la musique le plus fort. C'est comme ça que vous avez grandi. Sur rapidement sur l'époque coloniale, je me rappelle... nos parents qui vivaient dans des cités indigènes, pour aller dans les cités des Blancs, ils avaient des passes. Sans comme passe. En Afrique du Sud. Moi, je découvre ça. Ils avaient des passes pour aller dans ces cités-là. Alors justement, Sam, on va rester durant cette époque. Vous avez connu la génération des pionniers, hein, pour revenir à la rumba, Wendo, Mayungu de Oliveira. Vous avez connu cette époque. Et puis celle de Kabasele, Franco, Rochereau. Qu'est-ce que ces grands artistes ont apporté à la musique africaine? Et quel est l'héritage aujourd'hui de cette musique? Leur philosophie, c'était d'abord la liberté et la joie. Et pour moi, je considère que la musique de cette époque-là a contribué à la libération et à l'inspiration de certaines figures politiques africaines. Et la preuve, quand de Belges avaient demandé aux Congolais de venir participer à la table ronde, mais la musique avait accompagné la politique à la table ronde de Bruxelles. Mais justement, je pose, vous avez fait le pont, vous avez fait le tour de la question, à la fois musicien, vous êtes devenu ministre. Non, pas ministre. Pas ministre? J'étais conseiller quelque part, mais je préfère taire. Alors, la question était la suivante. Quelle est la place, le rôle, la fonction sociale de la musique au Congo, l'importance de la rumba, parce que vous avez eu ce discours sur la nouvelle génération, est-ce que vous considérez que la génération a dévoyé les valeurs principales que portait la rumba, celles que Franco portait lui-même lorsqu'il parlait du sida, les thèmes de société? Est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle génération n'est pas en phase avec cet idéal noble que portait la rumba originelle? Non, je crois qu'il y a une certaine manière d'embrasser les facilités. D'abord, la jeune génération tend beaucoup à des facilités, c'est-à-dire de ne pas trop creuser. La technologie aussi, qui fait que, bon, ils sont devenus un peu très laxistes, et quand le sexisme s'ajoute, et la globalisation. C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, c'est la globalisation. Ah ouais. Et c'est ce qui est à la mode, c'est le sexisme. Voilà. Tout s'exhibe avec le sexe. Et c'est difficile à contrôler. Et vous le regrettez? Absolument. Alors justement, Anissé Mouba, on va revenir à cette rumba qui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est forgée dans les années 40 et 50. Est-ce qu'on peut dire que cette musique était un mode d'expression qui permettait de transcender les appartenances? Oui, transcender les appartenances, mais aussi surtout affirmer notre aspiration à la liberté, comme vient de le souligner le doyen Sam. Grâce à la musique congolaise, les Congolais, jusque-là, consommateurs passifs de biens culturels importés, nous sommes devenus des
producteurs, des créateurs de biens culturels, exprimant à la fois notre vision de la société et surtout exprimant nos aspirations. Deux exemples. Tout à l'heure, il a été souligné la participation de l'African Jazz à la table ronde. Il faut toujours rectifier. African Jazz élargi, parce qu'il n'y avait pas que les musiciens d'African Jazz. Il y avait jazz, aussi ouais. Papa Vicky Longomba et Brazos qui sont venus des local jazz. Jazz. Ouais. C'est très important puisque les doigts savent là. C'était deuxième, comme qui dirait un groupe national. Quoi. Voilà. National, donc, à ce moment-là, l'émergence de cette musique congolaise participe d'un vaste mouvement culturel jailli des profondeurs de la société congolaise, avec plusieurs dimensions. Dimension artistique, notamment musicale. Dimension littéraire avec des écrivains comme Paul Lomami Tshibamba. Et puis, dimension aussi politique, parce que là, le 56, lorsque Loke Jazz est fondé, c'est la même année où les intellectuels congolais publient des manifestes, les consciences africaines de l'Abaco qui vont conduire jusqu'à la table ronde. Paul Lomami Tshibamba, c'est important pourquoi ? Parce qu'il va publier un article intitulé « Quelle sera notre place à nous, les évolués, non les intellectuels, dans le Congo de demain ?» Il est obligé de s'exiler à Brazzaville. Au même moment, donc quelques années après, Adou Elenga chante « Attendez-les, tôt tard, le monde va changer ». Lui aussi, il est victime de brimades coloniales. – Intarissable, oui. Intarissable ah, vous êtes. Oui. C'est mauvais si on vous laisse. On va vraiment demander à la direction carrément de nous donner TV5, parce que là, on ne va pas en finir. Samangwana, c'est vraiment un événement extrêmement important de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes de passage en France parce que vous enregistrez un album, vous travaillez sur un nouvel album. Ça faisait 10 ans que vous n'aviez pas travaillé côté musique. – Oui. Oui, ça fait 10 ans, et c'était juste essayer d'observer ce qui se passe sur le marché, parce que je venais de le dire, avec la globalisation, on commence à perdre certaines valeurs. Alors j'ai essayé de réfléchir, et dans cet album, il y aura des flashs du passé, du présent. Et vous reviendrez en africanité pour venir nous parler de cet album ? C'est forcé, parce que en tant qu'Africain, un chanteur a toujours été un accompagnateur d'une certaine évolution dans chaque société. Donc je n'aime pas être appelé vedette ou quoi, je suis... artiste. Un artiste, disons, un animateur, un chansonnier, tout court. Merci Samangwana, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. La suite de la saga très prochainement au cœur d'Africanité pour en savoir un peu plus sur la gestation de ce nouvel album après 10 ans de silence. Je vous propose de revenir autour de cette thématique de la rumba, autour d'une question qui divise. Regardez. C'est Paul Okamba qui a créé Victoria à Brazzaville. Et Wendo n'était qu'un admirateur de Paul Okamba. Et quand il a créé son groupe, il a dit « Pour... » rendre hommage à Paul Okamba, je vais baptiser mon groupe Victoria. Peut-être que Paul Okamba a connu un grand succès, mais peut-être qu'il est le précurseur de la rumba moderne, mais je ne pense pas qu'on puisse lui donner toute la paternité de ce que la rumba entre les deux Congos. Je crois que c'est toujours des sujets à controverse, quoi. À laquelle des deux rives du Congo doit-on la paternité de la rumba ? Question à 10 millions de dollars, à vous, ou 10 millions de francs CFA, à vous, Anissé Mobé. Mais moi, je préfère plutôt mettre l'accent sur le talent prodigieux de nos artistes, de nos musiciens. C'est-à-dire, d'abord, l'inspiration des compositeurs qui nous offrent souvent de belles poésies, ça c'est un. Et puis, la voix mélodieuse des chanteurs, les doigtés des guitaristes, des saxophonistes, des trompettistes, et aussi... – Non, vous ne tranchez pas. – Et aussi l'élégance de danseurs. Parce qu'on ne peut pas imaginer, la rumba n'aurait pas eu les succès qu'elle a connus s'il n'y avait pas l'accueil de mélomanes. Donc c'est sur ces trois points qu'il faut mettre l'accent, et chacun de nos musiciens apporte aussi beaucoup de variantes. – C'est une invention bantou du Congo, on dira ça comme ça, avec une ascendance du côté des rythmes de Kuba. À l'instant, nous accueillons une autre figure de la scène culturelle congolaise, il s'agit de David Pierre Fila. Soyez le bienvenu, réalisateur franco-congolais, à qui l'on doit notamment le film Sur les chemins de la rumba. Alors justement, David Pierre Fila, dans ce film Sur les chemins de la rumba, c'est une véritable plongée dans les racines de ce qu'est la rumba. Selon vous, elle appartient à quelle rive du fleuve Congo ? On dirait aux deux Congos, mais comme il y a des faits historiques, les historiens aiment bien les faits, il y a eu Paul Okamba, qui a donné une dimension à cette musique, à cette danse moderne, donc cette rumba. Donc on peut dire que
Moi, je suis d'un petit pays qui s'appelle le Congo-Brazza. 4 millions d'habitants, 2 millions de poètes et d'écrivains et de musiciens. 50% de poètes, c'est pas mal. Alors, justement, on découvre dans votre film que les rythmes et les traditions d'Afrique sont très présentes en Amérique du Sud. Est-ce que vous vous attendiez à faire une telle découverte en projetant de réaliser ce film sur les chemins de la rumba? Pas du tout, ça a été une vraie découverte. Ça a été une vraie immersion de voir que les rythmes de chez nous, qui sont partis donc du Congo, donc des deux Congos, comme c'est le Royaume Congo, ont franchi au-delà de l'Atlantique, au-delà des mers, une dimension, une identité très très forte à travers la musique, à travers les mots qui ont voyagé, comme Quilombo, comme Tsitu, qui étaient des mots de résistance, des mots de sanctuaire. On a remarqué, et moi j'ai remarqué qu'il y avait des choses à mettre en place entre Cuba, entre le Congo, entre l'Afrique, entre le Venezuela, entre la Colombie, on retrouve toutes les sonorités qui font notre musique. Papa Wemba, on voit que la rumba fait voyager, vous a fait voyager dans le monde entier. La rumba vous a tout donné, même une place au cinéma. La vie est belle. La rumba, vous lui devez tout. Je dois tout à la rumba parce que j'ai eu la chance de traverser tous les océans, vraiment avec ma voix, qui fait partie de la rumba congolaise. Je remercie le bon Dieu d'ailleurs de m'avoir donné ces dons-là, quoi. J'ai la chance aussi d'appartenir à un pays qui a un genre musical, qui est la rumba. Alors David-Pierre Fila, vous le disiez tout à l'heure, hein, Brazzaville a longtemps été un vivier d'artistes, d'intellectuels, vous soulignez la place des écrivains, mais aujourd'hui, à part une personnalité comme Zao, que le doyen Wemba connaît très bien, on peine à trouver dans ce pays, le Congo, à Brazzaville, des chanteurs, des artistes d'envergure internationale. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y en a, hein, quelques-uns, mais pas assez. Les Roga Roga, Extra Musica, etc. Merci. Mais quand même. Mais je veux dire que c'est une volonté aussi politique, à un moment. C'est-à-dire que c'est vrai que le Congo, à un moment, c'était la musique, le théâtre, l'écriture. Aujourd'hui, le football. Oui, le football, c'est vrai qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 1974, au Cameroun, contre le Cameroun. Pourquoi vous me regardez? C'est 72, c'est juste pour rappeler. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un moment, les choses se font individuellement. Ça ne veut pas dire que les gens ont baissé la garde. On se rend compte que en ce moment, il y a quelqu'un qui joue au musée du Quai Branly une espèce d'opéra sur la danse et sur la musique avec le corps. C'est un Congolais de Brazza. Et je suis content parce que je voulais rappeler à mon grand frère qu'il y a un film que j'aime beaucoup de notre ami commun, notre frère, Moïse Gongora. Dieudonné, qui s'appelle. C'est son premier film avec toi, justement, quand tu es tout jeune. Je crois que je n'ai pas amené le DVD, mais sur Kin Kies. Ah, Kin Kies. J'aime beaucoup ce film. Il y a tous les débuts de Papa Wemba. Ouais, c'est la folle épopée. Je voudrais faire réagir mais de manière assez laconique Anissa Mobé sur le fait que la rumba a aussi donné à la France quelques-unes de ses lettres de noblesse, puisque Taboulé, premier artiste à l'Olympia, offre sa première partie à un artiste qui débute. Oui, Julien Clerc. Julien Clerc. Voilà, exactement. Et l'Olympia des Rochereaux, c'est à la fois la fin d'une étape et le début d'une autre étape. Parce que ce n'est pas un hasard si Rochereau arrive à jouer à l'Olympia 70. Hein, déjà en 67, il est à Montréal, au festival, à l'exposition universelle de Montréal. Et puis 66, c'était Franco au festival des arts nègres de Dakar. Donc c'est tout un processus qui fait que si on en est arrivé là, c'est un travail de longue haleine grâce au talent des artistes. Il y a un continuum. Et la rumba a été et restera pour nous le point de repère le plus lumineux de l'univers musical congolais. David-Pierre Fila, d'autres projets avouables? Je sais que vous êtes, comme tous les artistes, un peu superstitieux. Travaillez sur un autre film? Oui. Tendance musicale? Tendance musicale, parce que le Makossa, il faut le réveiller. Et il faut dire aussi que le Makossa a apporté beaucoup à cette région d'Afrique centrale et au monde. Je voudrais venir à reparler de la rumba, parce que la rencontre de la biguine et de la rumba, ça donnait le zouk. La rencontre de la rumba
qui est parti en Côte d'Ivoire, ça a donné le coupé décalé. Pour dire que cette musique, elle a voyagé dans le monde. Et merci. C'est pourquoi moi, je la définis comme étant la maternité de la musique africaine. Tout à fait. Et c'est la musique de paix. C'est une musique que, vous avez dit tout à l'heure, que c'est une musique qui faisait grandir. Quand on a vécu avec cette musique, on a plaisir à la danser, à l'écouter. Et à revenir de plus en plus de temps merci. En temps. Cette rumba est éternelle, comme dit mon David cousin. Pierre, et rendez-vous du côté des rives d'un autre fleuve, le Vouri, du côté de Douala, pour votre prochaine saga filmée cinématographique. On revient dans quelques instants après une autre interrogation qui divise et qui fait cogiter du côté de la rumba. Dans la musique congolaise, on a toujours vu des hommes au premier rang. Et le fait maintenant de mettre une femme qui puisse être au premier rang, ça a été quelque chose de nouveau. C'est Fayatès, l'une des égéries de Taboulé Rochereau, l'un des fondateurs de cette musique moderne qui nous vaut le plaisir d'être aux côtés aujourd'hui de Papa Wemba. Mais c'est un nouveau visage de la rumba que nous accueillons, venu du Congo RDC. Soyez la bienvenue, MJ30. Merci, Amoubi. Alors, Amoubi, les femmes ont toujours inspiré les pionniers de la rumba, mais on a vu dans les sujets qu'on a vus dans les orchestres, Elles sont quasiment absentes alors qu'elles sont sur la scène depuis quand même les années 50. Pourquoi ? Mais elles ne sont pas totalement absentes. Elles sont plus claires, présence est plutôt discrète. Parce que du temps de Rochereau, l'African Fiesta Vita, on avait Fotas. Et puis après, Miss Bora dans l'African Fiesta Flash. Et puis après, il y aura Mbilabel. Mais il a fallu aussi passer par le danseuse. Donc je pense que la prestation de Rochereau à l'Olympia, la brillante prestation notamment des danseuses, a fait que finalement, elles ont réussi à faire la transition entre les femmes qui inspirent les chansons, les compositions, et les femmes qui vont être mises en évidence sur le devant de la scène, d'abord en solo, Betty, Pongolov, et ensuite il y a Bilabel et tous ceux qui, notamment Fayatès que nous venons de voir. Mais en tout cas, ils n'étaient pas absentes, puisque, vous voyez, souvent quand on dit on chante beaucoup les femmes, attention, ça dépend comment on chante les femmes dans nos chansons, c'est soit la manière dont la musique appréhende les femmes, la manière dont la femme est vue par l'homme, la manière dont l'homme est vu par la femme, les problèmes des divorces, les problèmes de mariage. Donc, les thèmes de société. Alors nous avons la chance d'avoir une ambassadrice de la nouvelle génération qui compte à son actif déjà deux albums, MJ30. Ah, MJ30, justement, est-ce que vous vous sentiez héritière de ces pionnières ? En fait, moi, c'est lourd. Pourquoi lourd ? Parce que quand même, c'est des grandes dames. Abeti, Pongolov, Tchalamwana. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de dire oui, parce que je me sens capable, vu que j'ai eu la chance d'être coachée, encadrée par la grande dame qui est Tchalamwana. Donc, je peux dire oui, je me sens prête. Ouais, déjà, j'ai la chance d'interpréter pas mal de chansons de ces grandes dames. Oui, elle est très modeste, hein, parce qu'elle a collaboré bien plus que ça au cœur d'un premier album en combinaison en action avec Tchalamwana. Mais Papa Wemba, beaucoup d'hommes autour de vous, hein, vous êtes la formateur d'idoles, il y a la Viva, la Musica. Vous êtes quoi ? Vous êtes macho ? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, pas jusque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voix féminines sont les bienvenues. Comme hier, puisque dans la première génération de chanteuses musiciennes, il y avait Tekele Mukango, Pauline Lissanga, Lucie Yenga, Anne Mbombo, Albertine Daye, Marie Kitoko, Marthe Madibala. Tout ça, ils ont fait le bonheur même de la chanson congolaise à l'époque, quoi. Aujourd'hui, elles sont les bienvenues parce que nous en avons besoin quelque part, quoi. Alors, papa, mieux que des paroles, quelques notes égrenées en monnaie sonnante, musicale et trébuchante, c'est dans Africanité, on retrouve, sans plus attendre, MJ30 en action et en combinaison avec Chabli. Amina mwana mkomori, azari wa Paris. Azari wa Paris. Matamani ya he amina, ya tsungu we mwanzani. Bolingo bolingo he zala he. Lakino zinongizon ziro, amina wa wada. Amina wa wada. Hulena yengi jonziro, hotsungu lewa. Pole pole ko amina ojunda kwanza wo pole pole ko amina ojunda mapendo pole pole ko amina ojunda kwanza wo pole pole ko amina ojunda mapendo pole pole ko amina
ojuhunda wanzao pole pole o amina ojuhunda mapendo pole pole o amina ojuhunda wanzao pole pole o amina ojuhunda mapendo. Cette africanité que vous regardez sur TV5 monte au rythme, aux saveurs et aux senteurs de la rumba, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. À l'heure où nous accueillons celui qui partageait la scène il y a quelques instants avec MJ30, c'est vous, Chebli, soyez le bienvenu. Originaire des Comores, directeur artistique, producteur, c'est sur votre houlette que de nombreux artistes ont éclos dans des maisons de disques, des Magic System, à des collaborations avec Papa Wemba. Oui. Soyez donc le bienvenu. Vous êtes aussi à vos heures artiste en solo. Votre dernier album campe le décor de la rumba originelle. D'où vient cette passion pour la... Vous êtes un fanatique, fanatique, comme on dit à Kinshasa, oui, de la rumba congolaise. Un vrai fanatique de la rumba congolaise, parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa musicien et qui laissait traîner un petit peu ses cassettes. Et donc, de par là, j'ai commencé à écouter cette musique qui m'a bercé. Et puis, j'ai eu la chance après de collaborer avec ces artistes, Papa Wemba, Samangwana. Donc, je peux dire que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance. Alors, Chebli, quand on se promène dans les rues de Moroni, on entend les chauffeurs de taxi, on entend de la musique congolaise. Alors, justement, quelle est, aux Comores, l'influence de la musique africaine dans le Touareb, qui est la musique traditionnelle comorienne? Alors, oui, c'est vrai que chez nous, on peut dire que la musique est classé dans le temps, c'est-à-dire le matin, on sait ce qu'on va faire, l'après-midi, on sait quel rythme on doit jouer. Donc la musique congolaise, elle est là pour terminer la soirée. Donc on a les rythmes traditionnels, là on a les rythmes traditionnels. Donc pour nous on n'a pas le choix. Pour danser, il faut les rythmes entraînants, donc ternaire où on a, sinon on a la rumba, c'est-à-dire ou les rythmes de l'océan Indien. Les rythmes en 6-8. Et le toit arabe qu'on mélange donc avec les Sénégalais. Voilà, et on mélange. Mais Papa Wemba, on voit donc aux Comores, au Japon, moi j'ai vu des groupes japonais chanter en lingala, c'est pas une plaisanterie. Oh là là, c'est formidable. En Colombie, il y a la champeta, il y a carrément des peuples entiers qui chantent la rumba. Ah oui, c'est formidable, parce que la rumba congolaise a traversé, comme je l'ai souligné tout à l'heure avec ma voix, tous les océans, quoi. Et c'est parti un peu de partout. J'ai eu la chance, moi, d'y aller plusieurs fois au Japon. Et les Japonais ont adopté la musique congolaise. Ils ont même créé des groupes tout en chantant en lingala, alors. MJ30, vous faites partie donc de la nouvelle génération. Et beaucoup tirent un peu à boulet rouge cette nouvelle génération. Ils disent, ils écrivent pas très bien les textes, mais ils sont très soucieux de leur apparence. Vous répondez quoi à ça? Vous savez, la rumba, elle est toujours la même, en fait. Nous, on n'a rien ramené. On n'a rien ramené, comme papa venait de dire. La rumba a beaucoup traversé. On essaye juste de faire un clin d'œil à d'autres pays, mélanger un peu la salsa, la musique antillaise, du zouk un peu, à la rumba pour donner... Une autre sauce, quoi. Oui. Une autre couleur musicale. Oui, parce que aujourd'hui quand même, il y a MJ30. J'invite d'ailleurs tout le monde à écouter Miroir, qui est mon dernier album. Très bien. Je ne pouvais pas trouver une meilleure transition. En vous remerciant, en annonçant que vous préparez d'ailleurs d'autres singles. Oui, rendez-vous single, en décembre Racine. Prochain. Et ouais. On vous souhaite bonne chance sur la route de nos frêles destinées artistiques et musicales. Et pour ceux qui découvrent donc, voici un extrait du répertoire de MJ30. Voici un extrait du clip. C'est très sexy et c'est rumba, c'est la nouvelle sensation pop des rumba du Congo. Elle s'appelle MJ30, à l'heure où nous accueillons un virtuose, un magicien de l'art guitaristique. C'est lui, Olivier Tshimanga.
Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue en Africanité. On ne vous présente pas Sa Majesté le Roi. Vous avez déjà croisé les fers ensemble? C'est mon papa, mon mentor, les dénicheurs même, parce qu'ils sont deux. Papa Simaro Lutumba et Papa Wemba. Ouais. Si Chimanga est aujourd'hui Chimanga, c'est grâce à vous, grand monsieur qui a mes côtés. Alors, on ne pouvait pas mieux faire pour l'accueillir que de te demander de nous égrener quelques notes qui vont être entonnées par tout le monde ici. Joyeux anniversaire, Papa Wemba. Joyeux anniversaire, Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Papa Wemba. Joyeux anniversaire, Beta Maboko. Merci de tout cœur. Et pour lui faire un petit cadeau pour la rumba. Et puis après, ça c'est les deux écoles, quoi. École Fiesta et École Odemba. Je vous avais prévu, c'est un magicien. Il s'appelle Olivier Chimanga. Alors Olivier, vous avez créé un concept qui peut paraître prétentieux parce qu'il porte votre nom, la Chimangologie. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour rassembler les gens autour de votre guitare. Et le projet, il est complètement fou parce que vous comptez réunir 600 guitaristes. Alors c'est quoi la Chimangologie? La Chimangologie, comme vous venez de dire, c'est un concept, c'est un état d'esprit, c'est une vision par rapport à notre culture. Comme on a parlé de la rumba, il y a eu les aînés qui sont venus, ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est à nous, la génération d'aujourd'hui, de perpétuer cette musique et de ramener des concepts, de ramener des nouvelles idées. Et surtout, moi, c'est pour rassembler les instrumentistes et surtout les guitaristes, pour leur dire qu'un guitariste aussi peut faire une carrière, mais en amenant surtout des projets, des concepts et défendre ce projet. Parce que moi, le rêve, c'est, même si je ne suis plus là, qu'un jour qu'on dise que voilà, Chimanga est passé, il nous a laissé ça. Et la Chimangologie, c'est un concept d'éveil, en fait, pour tout ce qui est guitariste, instrumentiste, bassiste, même les choristes et tout. Voilà. Ainsi parlait le magicien de la guitare, nouvelle génération. Je propose d'aller faire un tour du côté de Kinshasa à la découverte du concept de Chimangologie. Éblouissant, c'est Olivier Chimanga, un nom à retenir. Chebli, vous avez accompagné le développement de nombreuses carrières. Lorsque vous voyez ce genre de concept déployé, vous vous dites quoi? Que la rumba, et au-delà de la rumba, la musique africaine a encore beaucoup d'avenir? Oui, il y a beaucoup d'avenir, surtout avec des artistes comme Olivier Chimanga. Et il a raison de parler des accompagnateurs, de ces super musiciens qui, sans eux, la rumba ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Donc, je suis très, très content. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Il a collaboré avec Papa Wemba, avec que j'ai accompagné. Donc, jouer avec Olivier Chimanga, qui est aussi venu jusqu'au Comores. Mais comment vous faites? Vous avez un psy? Vous avez plusieurs... Alors, vous êtes producteur, vous êtes vous-même musicien. Comment vous faites pour ne pas être schizo, pour gérer tout ça? Il n'y a pas de conflit d'intérêt? C'est la même chose. Quand je produis Papa Wemba, ben, je suis son producteur. Et quand Olivier m'accompagne, ben, je suis musicien, chanteur. C'est la passion. Et alors, comme vous avez une vision sur les prochaines futures tendances, vous dites que la prochaine vague va venir d'Afrique de l'Est. La prochaine vague va venir de l'Afrique de l'Est, qui est aussi, comme l'a dit Papa Wemba, c'est toujours la rumba. Le bongo flava qu'on joue aujourd'hui en Tanzanie n'existerait pas si la rumba n'était pas là. Je pense que je ne me trompe pas. Donc ça viendra aussi de l'Afrique de l'Est, parce que nous avons, nous, ceux de l'Afrique de l'Est, avoir la chance d'avoir cette langue, le swahili, qui est aussi belle que le lingala. Papa Wemba, Chebli a travaillé avec vous. Ce qu'on n'a pas dit dans votre portrait, c'est que vous êtes aussi le co-inventeur avec des gens comme François Bizot, qui a créé la radio actuelle, avec des gens comme Copacopoul, Rémi, qui ont créé des radios Nova, inventeur de ce qu'on appelle la sono mondiale, les premières nuits du Rex, les premières nuits enflammées de la musique africaine. C'était au début des années 80.
En fait, quand je suis arrivé ici vers les années 82-83, Bizot, qui avait fait un voyage à Kinshasa et qui a entendu beaucoup plus parler de Papa Wemba à Kinshasa, il s'est renseigné, j'étais déjà à Paris, il est revenu, il a cherché à me croiser, on s'est vu et c'est là où tout a démarré, quoi. Le Grand Rex nous accueillait tous les mercredis. Avec les amis. Olivier, tu n'étais pas né encore. Hein? Non, Olivier n'était pas né. Il faut même pas parler. Mais trop bonne nouvelle, donc on y allait tous les mercredis, toute la nuit, on se faisait des défis comme ça. Une dernière question, quoi. Vraiment sur cet aspect qu'on m'en voudrait de ne pas avoir posé. Vous êtes le roi de la SAP. On dit que rien que le dressing room ou votre garde-robe, pour rester francophone, peut payer la dette de la moitié des États africains et le budget de TV5 Monde. Non, ça c'est trop dire, ça. C'est trop dit. J'aime bien parce que hier, peut-être j'étais critiqué un peu de partout. Moi, aujourd'hui, là, tout le monde se réclame sa peur. Même nos chefs de l'État se réclament sa peur aujourd'hui. Avant de sortir, ils se regardent bien. Vous voyez comment Obama, il noue sa cravate. C'est sur les traces de la SAP. Ah ben oui. Merci Chebli d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de nous avoir fait profiter de vos lumières. Ouais. Pour ceux qui arriveraient sur cette émission entièrement dédiée à la rumba, petit résumé, résumatif, comme on dit du côté de Kinshasa, sur quelques-uns des temps forts qui ont marqué l'actualité des dernières semaines, c'est notre ZAP Africanité. I just arrived in Sweden, illegally. It's all white here. I never really planned to come to Europe. It's a story of circumstances. L'Union africaine, par exemple, est complètement amorphe. Elle garde un silence complice, voire criminel, devant tous ces Africains qui vont se noyer dans la Méditerranée. Nobody knows what I'm feeling inside. Gnawa, musiciens mystiques de tradition musulmane. Leurs tambours et leurs crotales métalliques appellent les esprits à venir les posséder. C'est un moment, c'est un endroit où je me sens bien, quoi. Je me retrouve dans un endroit où je me sens, bien. La composition, en fait, c'est comme dans l'art de la peinture. On sait d'où on part, mais on ne sait jamais où on arrive. Les cars rapides ne sont pas un simple moyen de transport. Ils sont devenus un véritable symbole du Sénégal. Un symbole que ces deux peintres s'appliquent à reproduire avant qu'ils soient exposés au Musée de l'Homme à Paris. Tu parles de quoi, toi ? Tu sais très bien de quoi je parle. Si on doit vraiment parler des dettes coloniales, l'argent qu'on prend aux Occidentaux devrait nous servir à construire des écoles, des hôpitaux et non être claqué dans le champagne et les vêtements de luxe. La saison 2 de Brouteur.com, c'est dans quelques semaines sur TV5 Monde, la chaîne internationale francophone. De la diversité et des rythmes sur TV5 Monde et dans Africanité, aux couleurs de la rumba et du cinéma, Lise-Laure, nous tournons notre page cinématographique. On aborde sans détour la question noire en France avec un film documentaire de l'ivoirienne, la franco-ivoirienne Isabelle Bonny-Clavry, dont l'avant-première s'est déroulée il y a quelques semaines et vous étiez présent, me semble-t-il. Oui, trop noire pour être française, donc c'est donc le titre de ce documentaire. Alors Isabelle Bonny-Clavry, elle est à la fois réalisatrice et scénariste, et c'est quelqu'un qui parle très peu d'elle, mais dans ce film elle s'est livrée, elle parle de ses origines, de son grand-père qui a fait de grandes études, qui a épousé une blanche dans les années 30, elle parle aussi de comment elle a été éduquée, de ce milieu privilégié dans lequel elle a grandi, et justement elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours victime, régulièrement victime de discrimination. Alors est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est immigrée? Regardons. Votre père est né en France ou à l'étranger ? Mon père est né en France en tant que Français. Donc vous êtes française à la naissance, puisque ça, c'est ce qu'on appelle le droit de la filiation. Votre parent français vous a donné sa nationalité française à votre naissance. Mais alors du coup... Si donc moi, vous n'êtes pas immigré.
Et vous n'êtes pas descendante d'immigrés. Donc logiquement, vous êtes classée dans nos catégories parmi la population majoritaire. Pourtant, on me demande toujours d'où je viens. Comme si je venais forcément d'ailleurs. Est-ce parce qu'en me voyant, on ne se doute pas que mes arrière-grands-parents sont blancs? Ou parce que dans l'imaginaire commun, un Français, c'est un blanc? Tu sais que tu es noir quand tu attends un ami avec qui tu as rendez-vous juste à côté d'un pub et que tous les clients qui arrivent te prennent pour le videur en te disant « Bonsoir, c'est pour manger, bonsoir, c'est pour boire, bonsoir, on est deux » et que tu leur réponds « Bah non, désolé, c'est pas moi ce soir. » Tu sais que tu es blanc quand un ami à toi se fait contrôler plusieurs fois dans la semaine par la police alors qu'on ne te demande jamais rien à toi. Tu sais que tu es blanc quand on ne te demande jamais si ton pays te manque, si tu ne souffres pas trop du froid. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à devenir des blancs? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Est-ce que vous avez envie que cette racialisation, qui bien sûr touche d'autres que vous, et les autres bien sûr, c'est dommage mais ça ne nous empêche pas de dormir. Mais nous, est-ce qu'on est prêt à devenir des blancs? Trop noire pour être française, ça vous interpelle, ça vous touche, papa? Mais normalement, ça interpelle tout le monde, hein, puisque bon, aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça, quoi, puisque le monde est en train de... Le monde a changé depuis des décennies, quoi, c'est cette... Vous trouvez qu'entre le moment où il y avait des passes, vous avez connu la ségrégation, comme aux États-Unis, en 2015, ça vous étonne encore qu'on parle de la question raciale de, ça m'étonne encore, là, comme, puisque ça n'a plus de place, là. Ça n'a plus de place, quoi. Le monde est devenu trop petit pour abriter tout le monde, quoi. Et tous, nous devons nous serrer la main et être forts, quoi, pour que l'humanité aille très loin, quoi, demain. Alors, si vous voulez voir ce film, donc, il sera diffusé le 3 juillet prochain sur Arte à 23h05. C'est la chaîne donc, publique culturelle européenne. Et puis, Isabelle Bonnic-Lavry a lancé également une campagne sur Internet pour interpeller les politiques, pour changer les choses. Et cette campagne s'appelle une campagne citoyenne, ça s'appelle Change.org. Direction le Cameroun pour évoquer un autre festival Écran Noir. Oui, alors si vous serez du côté de Yaoundé, sachez que donc du 18 au 25 juillet prochain, ce sera le festival donc Écran Noir autour de la thématique numérique et exigence de formation et ce sera la 19e édition. On parle littérature, Christian Eboulé, avec un spécial Congo, ça tombe bien, on parle Rumba aujourd'hui, on commence avec Tram 83. Absolument, Tram 83 de Fiston Mwanza Muhila, jeune écrivain congolais, Congo RDC. Alors l'auteur nous plonge dans le quotidien d'une mégalopole qui rappelle un peu Kinshasa, mais ça pourrait être n'importe quelle ville du monde. C'est drôle, c'est truculent, c'est réjouissant. Tram 83, Fiston Mwanza Muhila, édition Métayer. On passe l'autre rive du fleuve Congo, du côté de chez Chikai Umtamsi. Drap sale, lilas blanc, le linge de famille, le temps que l'on gaspille pour refaire un serment, un collier de serpent, le joueur de manille pour deux sous de vétille a donné au sergent sa fille, belle Hélène, aux yeux fous, qui, sereine, a dit comme un bijou ce qu'il y a de plus doux pour un choqueur d'enfants. Drap sale, lilas blanc, demain j'aurai 20 ans. Chikaya Utamsi, immense écrivain congolais, né en 1931, un pilier dans le sud du Congo-Brazzaville. Et les éditions Gallimard ont eu la merveilleuse idée de publier les œuvres complètes de Chikaya Utamsi, un premier tome dans lequel on retrouve toute sa poésie, en tout cas une bonne partie, et puis un tome 2 qui regroupe une trilogie romanesque, trois des quatre romans de Chikaya Utamsi. Une idée, Olivier Chimanga. Serge Gainsbourg qui reprend Baudelaire musicalement avec ses textes. Pourquoi pas la chimangologie avec les poètes du Congo? Mais bien sûr, c'est ça. C'est parmi les rubriques même de la chimangologie. Ce n'est pas s'arrêter seulement dans les guitares. Donc, l'idée que je viens d'avoir là, ça, tu es en train de dire, tu avais ça déjà avant. Olivier, il est trop fort. Merci en tout donc, cas. Donc, pour dire qu'il faut aller plus loin encore, mais pourquoi pas, je suis prêt à faire ce genre de projet. Papa Wemba,
Vous êtes un grand monsieur, ça a été un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le formateur d'idoles, vous êtes celui qui avait inspiré des générations entières, l'un des premiers Africains à sillonner les États-Unis, à faire une tournée avec une star planétaire comme Peter Gabriel, et quelqu'un qui continue de représenter, en étant le gardien du temple, eh bien une longue tradition d'africanité. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui, et on vous souhaite longue route sur le chemin de la musique. Merci TV5, merci Amobé, et merci à toute l'équipe. On va se quitter avec Le Magicien. Je suis sûr que même Quincy Jones et Michael Jackson seraient jaloux de la manière dont Olivier Chimanga va maintenant exécuter, selon la formule consacrée, l'un des titres d'anthologie de Michael Jackson. Human Nature. Human Nature, avec la sensibilité de la rumba. Merci à toi aussi. Bonne chance pour la suite. Et c'est il y a un album en préparation. En préparation, qui est déjà fini. Donc d'ici septembre, octobre, espoir dans les bacs. Est-ce qu'on peut faire une requête ici sur Africanité, en live, très prochainement, pour déguster donc, cette nouvelle cuvée chimangologique. Chimangologique. Eh bien, merci à tous. J'espère que, téléspectateurs de TV5, vous aurez apprécié, comme nous, de vivre au rythme et aux couleurs de la rumba. On se donne très prochainement rendez-vous, ici ou ailleurs. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde. See you.